Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Empire. Alors nous venions de subir une grosse défaite, on avait perdu toute une armée contre ces Autrichiens. Heureusement on avait une seconde armée dans le coin. Et donc nous partons assiéger ces colonies, voilà. Sachant qu'ils nous ont repris Stuttgart, ces enfoirés. Il est plus facile de garder intacte sa réputation que de la blanchir quand elle est ternie. Thomas Paine, radical britannique, pamphlétaire intellectuel. Je me demande si Thomas Paine, si on le voit pas dans Assassin's Creed 3. Ça me dit quelque chose, ce nom. Peut-être pas Assassin's Creed 3, mais je crois. Je sais plus. Ok, donc c'est nous qui assiégeons. Donc ça, là, c'est eux qui devraient camper. On a une bonne position là, avec l'artillerie. Voilà, pas mal d'artillerie sur roue. Comment tu me les as placés? Une, deux, trois, quatre, ok. Ouais, la milice sur le côté, ça me va. Oula, il y en a une qui a pris un peu cher. Mais bon, soit. Et ici, tu m'as mis, d'accord. Et ah, ils sont au milieu, ok. Là, il doit me rester. Ouais, les trois et la cave, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une les moins nombreux. D'ailleurs, non, on va plutôt faire ça. Vous allez venir là au cas où il y en a qui viennent. Embêter notre artillerie, pardon. Le général, non, c'est la cave. Ouais, bon, on va te mettre derrière aussi. Et on va en mettre une ici. Voilà. Une ici. Peut-être toi, je vais te décaler. J'avais dit qui? Je sais plus. Voilà. Et du coup, il me reste vous. Pourquoi je vous ai mis nulle part? Je sais plus trop. Je vais vous mettre en renfort par là. Ouais. Général et cave, je vais vous mettre dans le dos là. Quoique, attends. Toi, tu peux tirer. Non, plus de ce côté du coup. Toi, tu tires pas par contre, ok. Du coup, plutôt là. Voilà. Je pense qu'ils vont plus se concentrer à droite, je sais pas pourquoi. Ouais, voilà, c'est ce qui se passe. Ok, artillerie. Boum sur les hussards, qu'est-ce qu'ils ont là? De la cavalerie provinciale. Vous, on va avancer. Ok, tout ça. Ah, j'allais dire on se manque carré. Bon, non, on va se faire éclater en fait. Donc en fait, vous. Ah, mais vous avez pas le carré, vous, putain. Boîte à mitraille et tire là-dessus. Ok. Vous êtes vraiment trop chiant, avancez-vous. Oh
prenez ça, dépêchez-vous. Ok, vous. On va s'avancer. Vous aussi, même là. Là, c'est bon, ça court. Qu'est-ce qui court pas? C'est vous, dépêchez-vous. Ah, ça peut être possible ça, ok, alors on va le faire un par un. Non, pas comme ça. Oh, j'avais pas vu. Ok, bon, bah, j'ai compris comment on va se passer. Vous me rendez dingue, vous. Je sais pas pourquoi ils se sont barrés. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. C'est qui, c'est vous ça? Bon, fuyez. Je sais même pas quoi vous faire faire. Hein. J'avais une cave. Terminez-les qu'on n'en parle plus. Oh, ils reviennent là-bas. Voilà, je veux pas la cave. On va se déployer comme ça. Vous. Ici. On va miser des garnisons. Ça va jamais tenir ça. Vous courez? Ouais. Donc vous. C'est n'importe quoi ce placement. Tirez dans le tas là-bas. On se fera éclater. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, on va leur dire d'arrêter de tirer à eux. C'est le bordel ce bataillon. Pardon. La cave là-bas, tu te fais décimer. Non, tiens, finis-le. Tu te fais décimer pour rien. Si ton armée de mousquet, on va les éclater. Ici, venez là. C'est quoi, c'est une cave? Non, vous serez jamais en retirer ou fuyez. Voilà, position défensive. Je
Vous, vous allez vous placer là. Vous courez là-bas. Du coup, en fait, non. Allez, dégommez. Voilà, vous m'éclatez cela, là, 25, parfait. Non, ils disparaissent ou pas? Ah mince. Voilà. Ok, ça fuit tout ça. Oh mais ils vont réussir à fuir, c'est con. Allez, courez, c'est la fin là, c'est terminé. Là-bas ça a fui. Et on va continuer, j'ai pas envie qu'il s'échappe, ce salaud. Général éclate E. Où est-ce que j'ai une autre cave? Là, j'en ai une qui fout rien ici. Elle est où la sortie de la map? Ah, on va jamais les avoir. Ouais, on va jamais les avoir, ils vont réussir à s'échapper. Ouais, de justesse, on les a éclatés là, qu'est-ce que tu me racontes? Gloire au chef qui avance en triomphe. Sir Walter Scott, poète et romancier écossais. On a 400 pertes, ils en ont 1000 quoi. On prend la ville ou pas? J'ai pas l'impression. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on a des armes en recrutement un peu partout dans le monde là. Les Ottomans avec leur tour infini. Comme d'hab. On avait les Mogols dans le Nouveau Monde, j'avais oublié. Oh, la Savoie. Vous partez carrément dans le Maghreb. Putain de Mogols. Ils ont pris une petite défaite contre les provinces unies. Vous faites quoi les américains? Putain, y aurait pas ces mogols, je pourrais vous déclarer la guerre rapidement en fait. Des pirates à Terre-Neuve. J'ai quoi comme armée ici? Ok, j'ai pas grand chose. Recrutement. Compagnie des Françaises, des Indes orientales, je crois que c'est mieux. Pourquoi je peux pas? Je sais pas. Bon, mais on va prendre 1, 2, 3. Voilà, 3 de plus, on a quoi? 2 canons. 2 dragons. On va prendre 2 dragons en plus. Ok. Caractéristiques gagnées, ouais. 2 points. Raid ennemi. Où ça? Ah, ici, oui. Ici aussi, forcément. Putain, vous perdez rien pour attendre, ouais. Vous avez de la daube.
Alors, qu'est-ce qu'on a à débloquer? Encore de la richesse, du prestige, parfait. Ah, bah parfait, notre agent. Assassine-moi, Shininji. Leur mort sera un mystère. Parfait! Très très bon ça. Ah, vous êtes moins fort là sans. Sans général. Alors, une école supérieure, Evora, pardon. Une école à Manchester. École religieuse, ça c'est ok, ouais, pour convertir. Et école supérieure en Angleterre. Manchester, on recherche rien. Je crois que j'ai plus de technologie dispo en fait, j'ai trop d'écoles. Non, celle-ci. C'est quoi? Métier à tisser. À tisser à carte. Métier à tisser, pardon, à carte perforée. Ok. Caractéristiques gagnées, Roger Fouquet, assassin. Cool. Charles-Louis de Seconda, t'es qui toi? Ah ok, tu dois être un ministre. Et rapport de recrutement. Ah ouais, en France on avait une bonne armée. À vous en. Marchez. En recrutement, encore combien de tours? Un tour. Ici. Attends, les recrute un par un ici. Préparez-vous. Marchez. Marchez. Oh, ouais, ça ne va pas ça. On va le passer niveau 2 ça. Conseil maritime. On va le lancer histoire de pouvoir lancer des technologies. Ménisme laïque, je l'ai pas. Pas les Bourbons. Ok. Bon, ici c'est fini, ça gueule plus, on est d'accord. Moins 4, mais vous êtes sérieux? Dû à quoi? Aux réformes? Vous faites chier? Vous faites grave chier? Université classique. Rotation des cultures. Et. C'est tout pour ici. Alors, ouais, dans le nouveau monde. On recrute où? Ici? Ouais, et ici on recrute? Non. Qu'est-ce que j'ai là? Un bateau qui. Flotte prête. Ok. Donc du coup, je pense que si je prends l'armée là, les trois. Vous allez là. En avant, une marche de bataille. Et on les fait sortir. Je pense qu'on les éclate. Nous voilà. Régnerons sur les mers. Pas de navire capturé, c'est pas très grave. Cool. On peut le réparer, parfait. Et l'armée. Vous rentrez à la maison. Marchez. Marchez. Donc eux, là, Louisiane, là, qui sont. Eh ben, avance. Qui sont ici, là. Ils partaient juste aller taper pour libérer le port. Alors que là, ils ont, non, une ville qui était à nous. Qu'on nous a prise. Mais non, ils ont pas envie. Je sais pas pourquoi. Ça les inspirait pas trop. J'avais une armée, là. Oh, mais oui. Oh, ben, rapatriement, les gars. Ouais, rapatriement ici. Et puis on va être bon. Je regarde. Non, en Autriche. Ça y est, il n'y a plus rien ici. Ou alors on termine leur ville avant. Enfin leur armée. Le siège. Voilà. La victoire. Si ça peurte, mais vous êtes sérieux les gars. Voilà, rentrez à la maison. Réparer les troupes pour la bataille. Ça on peut pas réparer, mais par contre on peut venir ici. En avant. Exiger la reddition, refuser. La vertu et la victoire. Valeur. On reprend Cologne. Ça gueule pas, parfait, plus 1300 de revenus. Caractéristiques gagnées, ouais. Et quoi d'autre? Rapport de recrutement, on avait vu. Nouvelle France, Alsace, Lorraine, France, ok. Ok, donc l'Autriche, ça sent un peu moins bon là pour vous. Vous sentez ou pas? Ouais, j'irai un tour pour chaque, 5 tours. Combien de temps? 5 tours? Oh là là, non, c'est long. C'est extrêmement long. Mais on peut pas faire autrement. Bon, allez, on passe le tour.
En quoi vous vous sentez plus fort? Ah, notre nombre peut-être, 1300, vous êtes 1700. Vous n'avez pas de général, on en a un. Ouais, ben on va la faire parce que c'est quoi? Refuser d'attaquer? Mais attends, mais je suis où là? Ah, opportunité d'interception. Yo Renani, je peux les choper en route en fait. Non, on va pas attaquer maintenant. Assiégez-moi si vous voulez. Je vais regarder combien de tours il reste avant que la ville se rende d'elle-même et voir si j'ai le temps de ramener des renforts. Ici vous m'attaquez. Eh bien go. Faudra être bon. Les soldats victorieux commencent par gagner et partent ensuite à la guerre. Alors que les soldats vaincus vont d'abord à la guerre et essaient ensuite de gagner. Sun Tzu, général chinois et auteur de l'art de la guerre. D'accord, bon. Va falloir tenir là. Va vraiment falloir tenir. Personnes, je peux mettre dedans. Ici, 271. 1200. Là, je pourrais mettre tout ça. Vous allez venir là et vous allez rusher le bâtiment. Et vous, on va faire qu'un seul côté. Pourquoi j'avais accès à des défenses? J'ai accès à des défenses avec vous. Avec vous, j'y ai pas accès. D'accord. Ok, soit. Il me manque qui notre général qu'on va planquer par là. Voilà. Notre cave qu'on va mettre. Qu'est-ce qu'il me manque là? Il manque une milice, ok. Les obus, il y en a des tonnes. On va faire une ligne. Sont tous sélectionnés. Voilà. Alors, ils ont une portée qui va jusqu'où? Jusque là, d'accord. Oh, mais ça va. Ça va, ça va. Là, je les mets là pour les obliger à passer soit par le bâtiment qu'on va prendre, soit par ici. Pour venir nous assiéger. Ah ouais, une cave ici, c'est pas mal. Une autre. Là-bas, et on reviendra derrière si besoin. Et vous, c'est quoi déjà? Ouais. Alors ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Et vous, on va vous étaler un peu plus. Ah mais oui, j'ai de l'artillerie là. Alors l'artillerie, je vais vous placer comme ça. Attends, le terrain il est comment?
là. Et toi, t'es... Non, alors toi, t'es... Ah, mais j'ai pris les deux. Ok, bon, on reste là, ça me va. Du coup, ici, on va pouvoir s'étaler là. Ouais, ça m'a l'air bien. Allez, tout ça, là-dedans. Ça tire, vous avancez pas comme des cons. Vous avancez comme des cons. Vous passez au milieu des obus, les gars. Ça va? Pas de perte? Non. Cool. Ok, obus explosif, c'est 10 fois mieux. Ouais, et vous? Non, boîte à mitraille. Ok, vous avez pas le carré, vous avez pas le carré, vous devez l'avoir, vous non. La cave, bougez-vous les fesses. Venez là. On a déjà fait fuir leur artillerie à pied, énorme. J'ai dit de courir la cave, s'il vous plaît. Bon là ils ont peur de vouloir attaquer, ce qu'on va faire c'est qu'on va se replier par là. En courant. Bon non c'est des archers, continue à tirer là-bas. Vous êtes là, on est là. C'est bruit. Qu'est-ce qu'on met plus comme temps à rentrer vous? Bâtiment pris, montre-moi. Quoi, mais tu vas en mettre 300? Mais tu vas en mettre 1000? 1300? Vous rentrez ou pas là? Ça rentre. Et j'ai pas dit. Ouais, 1200, ça va pas rentrer par contre. Qu'est-ce que c'est? Cavalier? Feu à volonté? Chargez-les. Et là, on va se mettre comme ça. Comment ça, vainqueur d'un feu? On est deux contre un là. Ah, force égale. Qu'est-ce qu'ils ont des mousquetaires? Vous allez tuer voir plus de feu, voilà, je pense. Ouais, vous tuez vos chevaux les gars. L'artillerie tirée là-dessus. Là on les tient. Bâtiment en tir ou pas? Vous venez là.
Ils veulent pas rentrer alors. Oh, ils ont mis un bâtiment, ces enfoirés. La cave s'en sort, on perd pas beaucoup d'hommes. Par contre, on va commencer à en perdre. La cave, mais que vous êtes chiant dans les Total War. Quand vous dites vous barrez, je cherche pas à comprendre. Général bouche sur les fesses. Toi je sais pas où tu vas, je sais pas pourquoi tu cours pas. Ça m'énerve. Viens là, mais c'est dingue. Voilà, une ligne comme ça, très bien. On était sûr, bande de cons. Cette galère. La cave venait par là. On va essayer de contourner et de... Quoi? Vous êtes en fuite vous? À cause d'eux? Ah non, ça doit être à cause des obus. Ok, bon, leurs obus là, ils commencent à me fatiguer. Là c'est ça, yes, ok, la cave vous êtes passé, ils ont des éléphants, oh les cons, allez c'est pas grave, on tente un suicide. On va essayer de prendre le bâtiment là. Fatigué, inquiet. On est vainqueur, ça va. Alors artillerie et galère. Et galère. Oh, cette bataille épique. J'adore.
Donc on a deux bâtiments qui leur tirent dessus. Qu'est-ce que je pourrais détacher pour aller aller tirer sur leurs éléphants? Là on va se redéployer. On va avoir un tir dessus. Les obus vont me tirer là-dessus. Ah, on n'a pas de tir. Attends. Voilà. Ah, alors ça va donner quoi? Ils sont magnifiques leurs éléphants. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais personne meurt, sérieux? On est en train de renverser le cours de la bataille. S'aligner encore plus comme ça. Là, on va venir là. Vous venez là. C'est quoi non? Artillerie non. Par contre obus. Ah on peut pas. Du coup artillerie. Yes, on peut. Nous attend. J'avais pas vu. Bon, on est en train de gagner la bataille, ça c'est bon. Fatigué, inquiet. Allez, on le tente. Qu'est-ce que j'envoie là-bas? Je sais pas. Bon, on va sacrifier une unité pour leur faire tomber celle-là quand même. Vainqueur de manière décisive. Ok, bon là ça a bien fui. Le général a réussi à faire fuir, c'est parfait. Ok, ils poursuivent les mecs en fuite, c'est très bien. Bon, on va anticiper un peu. Ok, ouais. On commence vraiment à les éclater là. Par contre, si vous courez sur mon artillerie, ça risque de piquer un petit peu. Bon, restez en boulet rond. Ouh! Il en reste plus que 25. Qu'est-ce que vous faites? On est au corps à corps, génial.
Ok, non, arrêtez-vous, vous allez tuer du monde. On a gagné, c'est bon. Bon, ils sont où leur reste d'armée là? Non, mort héroïque ou mort du général? Général ami tué, il est le nôtre. Va pour chasser eux. Vous êtes pas mort, vous. Allez, c'est la fin là. Ouais, donc tout ça, ben, venez là. Hop. On accélère un peu, c'est la fin. Mais vous avez pas de feu sur eux. Ok. Allez, fin de la bataille, victoire héroïque, yes. Cool. Et 42 minutes d'épisode, c'est n'importe quoi. Je voulais faire un épisode d'une demi-heure. Je vais essayer de vous mettre des épisodes tous les jours là pour finir cette campagne. J'aimerais bien que c'est un peu le rythme et passer à autre chose. Bon, uniquement 700 pertes, c'est parfait. Ah là, ça vous fait mal un peu, non? Hein? Ouais, les États-Unis commencent à avoir une petite armée. Je rappelle que là, on a fait la moitié de la campagne, là, quasiment. Elle se finit en 1750. Et on a encore quelques petits territoires à récupérer. Raid ennemi sur Francfort, mais vous savez quoi, on verra tous ces messages au prochain épisode. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous normalement demain pour la suite de cette campagne. D'ici là, amusez-vous bien, et je vous dis donc à demain.